Est-ce que tu penses que ce 3-0 du PSG face au Milan, c'est la meilleure performance du PSG en phase de poule de Ligue des Champions? Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Dans cette vidéo, on va revenir sur la victoire écrasante du PSG 3-0 face au Milan AC. Mais avant de commencer, si tu me découvres à travers cette vidéo, ici on parle de foot, ici on est passionné par le foot. Donc si tu es intéressé par la thématique, si la thématique te parle, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Si c'est faux, on est parti. Alors les amis, est-ce que tu penses que ce 3-0, c'est une victoire écrasante de la part du PSG 7? Mais est-ce que tu penses que c'est une victoire, c'est la victoire la plus importante du PSG face au gros, en phase de poule de Ligue des Champions? Moi, je trouve que les victoires vraiment top, top, top en phase de poule, c'était face au Bayern, le Bayern de Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti. Et je pense que ce match a précipité même le limogeage de Carlo Ancelotti. Je pense que c'est à cause de ce match que Carlo Ancelotti a quitté le Bayern. Bref, pour revenir dans le match face au Milan, je trouve que le PSG a fait une bonne performance, mais avec un Milan qui n'était pas vraiment trop à la hauteur. Cette équipe du Milan n'était pas vraiment à la hauteur. Certes, ils ont fait 25 premières minutes de bonne qualité, mais après, derrière, ils ont commencé à disparaître petit à petit. Lorsque Kylian marque ce but, ça met un coup à cette équipe du Milan. Et ce deuxième but de Kolo Muani a complètement achevé cette équipe du Milan. Je n'en parle même pas du troisième but qui a mis KO complètement le Milan. Au final, donc, le PSG est leader avec 6 points. Newcastle est troisième avec 4 points et Dortmund est deuxième avec 4 points également. Donc, Dortmund et Newcastle se partagent la deuxième et la troisième page, la deuxième et la troisième place et le Milan AC est dernier avec 2 points. Mais tout encore jouable dans cette poule, tout encore jouable, je trouve que le Milan n'a pas encore dit son dernier mot. Après, partage-moi ton ressenti en commentaire sur la thématique. Et si ce n'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ce soir, on se dit à très bientôt pour notre vidéo, les amis. Ciao, ciao.